À ce qui concerne les opérations mathématiques, vous allez juste retenir que ça c'est pour le plus, et ça là c'est la soustraction, ça c'est la multiplication. Si je fais ça, c'est l'exponentielle, pour dire 1 exposant 20, machin, machin. Ça là, c'est la division. Et le pourcentage, c'est le modulo. Le modulo, c'est lorsque on prend les restes de la division. Et puis, plus, plus, c'est l'incrémentation. Et moins, moins, c'est la décrémentation. Je ne peux pas m'attarder sur ça. Et vous avez les bases de la programmation. Comment déclarer un objet? Pour déclarer un objet, on fait var et puis objet par exemple maison et puis nous ajoutons variable à l'intérieur par exemple solo. Béton. Là. Voilà. Et là, c'est notre objet qu'on vient à peine de créer. Si vraiment on a besoin de l'afficher, on prend par exemple maison. On met côte et puis on met 2. Donc D, si je prends D là bas, je mets l'occurrence 2, donc je vais afficher là, ici c'est 0 1 2, je vais afficher là. Donc dans notre page paragraphe ici, on va afficher ici là. Allons-y. Là. Et si on met par exemple là 0, on affiche l'occurrence là. Voilà, solo. Donc, on voit le solo qui est là. Et si je mettais 1, il va m'afficher 0, 1, béton. Voilà. Voilà, et nous rentrons encore. Cette fois-là, nous allons parler d'un objet. Comment on peut déclarer un objet? La var maison là. Maintenant, on va essayer de les déclarer d'une autre façon. On ajoute encore var voiture. Ok. Et puis, nous ajoutons les accolades là pour déclarer maintenant nom de la voiture. Deux points. Je mets par exemple Volvo et désolé, voilà, on est la voiture Volvo. J'ajoute encore la couleur. Couleur de la voiture rouge. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter sur la voiture? Âge. Bon, j'ajoute seulement comme ça. C'est une voiture qui a déjà fait 5 ans. Bon, je peux arrêter par là. Et puis, je viens sur notre document pour afficher la voiture. On peut dire que cette voiture son nom
Et voilà, on met plus voiture, point, non. On va voir cette voiture, son nom est Volvo. Vous pouvez ajouter encore une histoire ici comme d'hab. La valise BR. Son âge. Et vous mettez plus voiture. Point âge. C'est comme ça que vous pouvez appeler les attributs et de l'objet voiture. Et là, si je rentre carrément, j'actualise son âge est 5. Donc, c'est un peu comme ça que vous allez jouer avec les objets. C'est un peu plus tard que nous allons totalement nous y mettre pour faire des choses sur les objets.